arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a que le type Sabaku, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de deck. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher votre meilleur pouce bleu. Car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc vraiment abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu. Si vous avez des questions les gars, c'est sur Insta, qui est en bas de l'overlay. Mettez un petit commentaire pour les référencements, et ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre mon clan les gars, nous sommes 43. Et puis je suis en 8-0 avec un petit deck GR. On va aller tranquillement se farm ça. C'est parti. Allez. Par que là mon père gère instantanément. Logique. Simple son du jeu. Hop. Bon, j'aurais pu réagir plus tôt. Et ma foudre. Faut pas que les chauves-souris elles viennent. Un petit peu fail, c'est pas très grave. Ouais, c'est déjà un royal ici. Peut-être là. Mettons au moins une pression. Ok, c'est bien joué de sa part. On va lui mettre de petits coups de pêcheur, ça c'est pas trop mal. Je pense qu'on va mettre un GR comme ça. On a les trois esprits qu'on va mettre juste derrière pour les chauves-souris. On va pas les foutre cette fois-ci, ça sert à rien. On va laisser. On va juste mettre le petit squelette au middle. Tour du roi, ça va défendre tout seul. Et puis c'est parfait, on va se mettre une autre pression avec le Dark Prince. Pauvre shot là, on peut. Il met un bûcheron. Je pense qu'on va mettre le pêcheur là. Ok, parfait. Ok, on aura le Dark Prince ici pour tanker. Aïe. Ok, on pourra ici mettre ça. On a le bûcheron pré-shot. On aura l'électro-esprit ici qui va faire son taf. Ok, on va aller prendre cette tour, ça c'est pas trop mal. Il a pas de foot puisque c'est du clone, donc je vais essayer de mettre une autre pression directement. Ok, c'est bon. Ok, il a une BDF. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ok, on va aller prendre cette première win. La fin, j'étais un petit peu en train de tryhard. On va pas se le cacher. Mais tant mieux. Première game, première win. Ça fait plaisir. Allez, on part dans cette deuxième game tout de suite. Ok, c'est parti. Coup Nova High Wolf. Ok, j'espère que là, on va faire du lourd. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, une petite charrette. Avec une MG ici, dans le fond du terrain. Ok, on va mettre un petit pêcheur, tranquillou. Ok, mauvaise tornade de sa part. Ok, il reste en vie un pêcheur, donc je vais essayer de mettre une pression. On va voir comment il réagit. Ok, cabane. Je vais mettre une petite bûche pour ça. On va mettre un petit électro-esprit, c'est pour défendre tranquillement. Et parfait, on va mettre celle-là pour faire tourner. Ok, on va tenter Dark Prince au pont tranquillement pour voir ce qu'il a pour défendre. Comme je sais qu'il est en retard, on va essayer de mettre une petite pression. Ok, il met une charrette.
Si elle meurt, on va les foutre juste. Hop. On convient. On convient très très bien. Petite foot gratos, on va pas se plaindre. Ok. Il y a une cabane qui peut être lourde. C'est pas un petit... On va mettre un petit gir comme ça. Il a un GS. Ok, on va tirer ce géant royal. À l'aide. Ok. Électro-esprit plus les petits squelettes ici derrière. Waouh. Ok. C'est pas trop mal. On va les foutre ça, je pense. On va m'emmerder. On va les mettre ça tranquillement et nickel. J'ai kiffé son taf là. Vraiment. Et là, je pense qu'on a la win grâce à ça. On a très très bien joué la game. On a réussi à bien tempo, etc. Et on va aller se faire un petit 3 couronnes pour cette deuxième game de la vidéo. Et ça, c'est Gucci ça. Let's go. Deuxième game. Pris tranquillement et facilement. Face à Nova et Wolf. Parfait. Allez, on part dans cette troisième game de la vidéo. Pour l'instant, on enchaîne. Hein. Allez, c'est pas dit contre Wilmer. On me fait un petit fût squelette. On va mettre le petit Dark Prince ici. On va mettre le squelette ici pour tanker. Wesh, mon Dark Prince, il fait quoi là? Ok, je pense qu'on va attendre de voir ce qu'il joue. On va les foudre. On va foutre en pré-shot. Ok, très bon esprit de ma part. Il a utilisé beaucoup. Hein. On va utiliser 9. Je vais utiliser 10. Ok, bon, il en a plus que moi. Ok. Là, il a plus qu'un sabacane. On va essayer de mettre une pression. Ok, mais là, il met une bûche. Il met ça très bien. On va les bûcher tranquillement. Ah, ça me shot pas. Ah. Un petit souci. Ok, bon, l'esprit qui défend bien. On va devoir jouer au fond de ma pente contre lui. Ok, parfait. On va cycler les squelettes qui me servent à rien. Ce match-up. On va commencer à mettre un petit gir fond de mob, je pense. Ok, mais ça d'abord, donc d'abord on va défendre. Ok. On va aller mettre ça là, hop. Je pense que je vais mettre un esprit en plus pour essayer de pré-shot quelque chose peut-être. Je vais rien pré-shot, peut-être mettre des dégâts. Oh, il met des chaussures, nickel. Ça me va. Bon là j'ai pas à défendre plus que ça, juste mon petit squelette ici tranquillement, histoire de... Ok, on va mettre un petit gère fond de map. Si il met son mortier on peut food. Et... Ok, il est main offensif, très bien. Ça c'est clean. Ok, on a le pêcheur ici qu'on va les mettre. Ok, ici on a une très bonne bûche. On va essayer de défendre comme on peut. Le squelette, petit esprit ici. Mettre le pêcheur en plus. Ok, parfait, on va essayer d'aller pêcher ça, c'est pas trop dégueu. On a une bonne bûche ici. Oh, j'ai oublié son miroir, pute. On va essayer de mettre l'esprit électrique.
Qu'attendez les gars, je me concentre pour pas perdre la game. Pour essayer de pas perdre la... Pour essayer de pas la perdre. Ah, son deck est relou. Ok, ça c'est une donne free value de Dark Prince, c'est pas mal. Là il me force à utiliser un abus, c'est chiant. Moi je l'utilise, faut que je la garde absolument. Dommage. Très compliqué comme game. Très compliqué. Tout ce qui est bait, c'est très chiant avec le miroir et tout, c'est très casse-couille. C'est pas grave, on a perdu une game, on relance, nos problèmes. Ok, c'est parti, on torche. En vrai, il y a moyen de faire tout ça. Large. Casser un petit esprit tranquille. Il y a un petit arc-prince ici. Ok, ça me va, ça me va. Le pêcheur relou là. On va prendre cher, c'est pas grave, on va assumer les dommages. On va assumer les dommages, les gars, y'a pas de soucis. Y'a aucun souci, on assume les dommages et on va push. Ouh le zappy. Vite l'esprit. C'est pas très grave, il y a le bouclier. Ok, ça me va. On a bien gratté, ça me va très bien. Mettre le pêcheur, mettre le petit squelette ici. Pardon. Ok. Mettre un petit char fond de map ici. Bon. Ok, tente de push, bah, on va tout de suite arrêter ça. Bon, le chevalier d'or, ça quand même, ça carry. Hein. Enfin, comment? Ok, là on a une free food, on va aller la mettre. Ok, on va mettre une bûche. Je pense qu'on ne peut pas rugir. Très mauvaise idée de Jean Royal. Peut-être chez un Royal 3 couronnes pour essayer de mettre une pression pour pas qu'il puisse trop push. Ça pourrait être pas mal ça. Ok, mets un petit bûcheron là peut-être. Ok, bah tentez. Ça me va, pas grave. Je sais pas, il avait un zap. Ok, bah j'ai trop court encore une fois. On va pas le laisser push, hein. C'est très important de pas laisser push. Hop, parfait. On met très très bon dommage là. On met de très très bons dommages. Et je pense qu'on va les remettre juste un GR en mode YOLO là. Ok, juste on va défendre comme ça. Hop. Ok, parfait. Nickel. C'est exactement ce qu'il fallait faire dans cette game. Et on part dans cette dernière game tout de suite. On va mettre les squelettes ici.
Hop. On va mettre la forêt ici. On va mettre ça là. L'esprit ici tranquillement. On va essayer de push sur ça. Sauf s'il y a une tête de Ronald Darkpence devant. C'est pas trop dramatique. Il y a le gère qui va découper sa tête de. Ok, ça c'est parfait, mais très bon dommage. On va devoir assumer, on va devoir assumer. On a dû assumer, on n'avait pas trop le choix. Là après il a plus trop d'Elex, mais j'ai peur que de mettre ça si mes TD me baisse. Ok, on va faire tranquille l'MG, c'est pas grave. Ah nickel, si mes T2 c'était pas très grave, c'est exactement pour ça que je voulais. On a une bonne bûche. Ok, très bien, on a mis un petit coup, ça me va. Je pense que je vais mettre un petit pêcheur ici. Regardez le Darkpence évidemment pour la foreuse. Très important. Ok. On tente ici Darkpence pour défendre. Il a pas grand chose à jeter à l'esprit au cas où. Je vais mettre ça très tôt. Évidemment parce qu'il a mis sa foreuse. Ok, parfait. Et là ce qui s'est passé c'est qu'on a une foudre. Et là c'est le moment de le surprendre en mettant double GR. Ok, on va laisser sa peur là, je m'en bats les couilles de sa peur honnêtement. Et là c'est pas grave. Y'a aucun problème les gars. Que on a un double GR. N'oubliez pas qu'on a un double GR. C'est parfait. On a une bonne bûche ici. Là il a le seum. Là on va aller chercher cette 12 victoire les gars avec ce petit dégât royal. On roule sur tout le monde. Honnêtement, on roule sur tout le monde. Alors vraiment c'est un roulage énormissime. C'est un truc de fou furieux. On a roulé sur le défi classique honnêtement. Je vais vous montrer un petit peu mes match-up. Non je peux pas vous montrer mais. Parce que j'ai fait plein de games avec plein de games avant. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez kiffé la vidéo. Moi, si vous voulez, je vous refasse sur d'autres decks. Et puis, c'est vrai coup. Oh, et puis, c'est vrai coup. Ciao, ciao!